tu faisais un cauchemar. Tu... T'es déjà debout? Oui, j'ai trouvé plein de choses. Viens voir, tu vas adorer. Allez, allez! C'est quoi ce bruit? C'est Lucas! Suis-moi, tu vas voir. Allez, ça me réveillera. Enfin, peut-être. Par là! Il va falloir qu'on rapièce ces paillasses. Je ferais mieux de rester avec Hugo. Ah oui, c'est les objets qu'on a trouvés. Au moins, ça nous évitera de les perdre dans ce bazar. Lucas! Oh, vous êtes là. Bien dormi? Non, je n'ai pas fermé l'œil. Ce laboratoire est en mauvais état, mais il m'a inspiré. Je suis tout près d'aboutir mon grand œuvre. Vous pouvez m'aider. Oui. On doit faire quoi? Amicia, j'ai besoin de la fiole sur la table gauche. D'accord. Et moi? Je fais quoi? Il faut de la lumière pour le final. Hugo, une bougie. Ça, je sais faire. Oh, ça doit être ça. Tiens. Tiens, autre chose? Oui, le concentré de sève de laurier, juste derrière moi. J'y vais. C'est quoi un grand œuvre? Ça se mange? C'est l'élixir qui éclaira ton chemin. Le flambeau du porteur de la macula. Ça m'est venu comme ça, cette nuit. Voilà. Bien. Voilà. La larme de l'ange. Le couronnement alchimique. L'élixir. Hugo. Waouh! Le grand œuvre! C'était pas censé faire ça. Oh. C'est pas grave, Lucas. Peut-être qu'on devrait te laisser te reposer, hein, Hugo? Bravo, Lucas! T'es un sorcier! Amicia, viens! Je te suis. Des alchimistes ont vécu ici. Laurentius aussi, peut-être. Au fait, tu as vu Mélie? Non. Ah, elle est peut-être déjà partie. Oh non, je veux lui dire au revoir. Ouah, ça doit faire des siècles que ce château est vide. Amicia, viens. Wow. On fait tous les deux. Ça va, on rigole bien. Je suis sûre que l'Inquisition aussi. Mélie, alors t'es pas partie? Viens. Faut qu'on parle. Qu'est-ce
qui se passe? Il se passe que ce château est une ruine. Ah. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Soyez sages et ça ira. Alors, tu vas partir chercher Arthur? Si je peux aider? Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens voir! Écoute, avec Hugo, ça a pas l'air facile. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots, parfois, t'as juste envie de les tuer. Les symboles, Amicia! Je te crois. En tout cas, pars pas sans dire au revoir. C'est pas mon genre. Amicia! Viens, s'il te plaît! Oui, Hugo. Qu'est-ce que tu as trouvé? Là, en bas. C'est comme le dessin. Quel dessin? Celui de la salle à manger. Je vais te montrer. Viens! Je te suis. Regarde, c'est les mêmes symboles. Tu as raison. Des armoiries d'alchimistes, peut-être? Tu as vu l'arbre? L'arbre? Viens! Allez, par ici! Ah! Où vous allez? Oh, tu t'es fait de nouveaux amis? Oui! Amicia? Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non. Tu sais, on va trouver un moyen de te guérir. Et puis, il y a Lucas et Mélie, maintenant. Lucas! Viens voir les papillons! Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Elle s'étend, Lucas. Oui. La macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils, et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avons-nous? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit. Le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être... N'y pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait se jeter dans la gueule du loup. En temps normal, oui. Mais en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Si t'es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Merci. Bon, je vais aller préparer mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Hugo? Je suis vraiment désolée. Je dois partir. T'inquiète pas. Je vais rester avec Lucas. Bien. Je reviens vite. Père, mère, vous serez toujours ici, avec nous.
On va avoir du travail. Ah, te voilà. Alors c'est parti. Tiens, et une dernière chose. Laurentius m'a dit un jour que le chemin qui mène au livre est semé de roses. Alors ouvre l'œil. Des roses. D'accord, c'est compris. La première règle de la survie, c'est de frapper entre les jambes. Mais la tête, c'est pas plus rapide? T'es vraiment trop gentille. Chut, c'est bon, on est arrivé. C'est quoi cette foule sur le pont? Les gens de la ville. On les évacue. Laisse-moi deviner, la morsure est ici. Bien vu. Et si la morsure est là, alors il y a... l'Inquisition. Voilà, t'as tout compris. Oh non. Tu le connaissais? Un voleur. J'ai travaillé avec lui. Il était bon. Alors c'est ça le châtiment des voleurs? La mort? Ouais, et je veux pas retrouver Arthur avec ce genre de collier. Viens, allons-y. Toi, Amélie. Je t'ouvre ça, et je file m'occuper d'Arthur. D'accord. Mais, au fait, c'est où l'université? C'est le gros bâtiment à l'autre bout de la ville. Tu peux pas le rater. Est-ce que... tu penses qu'on se reverra? J'espère bien. Tu m'es redevable. Merde. Ça veut dire que t'as pas le droit de mourir. Je ferai de mon mieux. Voilà. Allez. Passe. Bonne chance. Toi aussi. Les gens de la ville. Ils savent qu'ils vont mourir s'ils restent ici, mais ils croient qu'ils s'en iraient d'eux-mêmes. Allez, viens. On doit faire partir les derniers. T'inquiète pas, va, on a presque fini. La ville est à nous, on va pouvoir accélérer les opérations. Ces Arthur, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Ça doit être l'université. Cette lumière, j'aime pas ça. Ah,
C'est vrai que c'est pas tout près. Mais tu vas y arriver. Allez, Amicia. T'es un des derniers, alors sors de là, ou on vient te chercher! D'accord, nous arrivons! Foutu bourgeois! Ça, ça va me simplifier la vie.
vous allez me foutre la paix. Dégagez. Putain. Va essayer de faucher des trucs avec ces rats dans les pattes. Je trouverai que plus discret. De papa. T'as vu ce qu'ils font aux gens? On doit partir, si l'Inquisition nous prend! Mais, des rats! Laissez-le, on viendra plus tard! Est-ce que c'est partout comme ça? Où je suis. Mais au moins, je suis encore en vie. Et rentre là-dedans. Et reste-y sagement. Non. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est mon mari. C'était ton mari. Il est condamné. Fiche le camp. Quelle horreur. Je ne peux pas partir sans lui. Affaire. La loi martiale, tu connais. Tu veux crever avant lui. Il a raison, Anna. C'est contagieux. Écoute-le. Tire-toi. Maintenant. Ah, vous m'épuisez avec vos conneries. Je suis pas crié pour ça. Ah. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et ces putains de rats qui sont déjà là pour le bouffer.
tous exécutés. Est fermé. Trop de rats là-dessous. Je passerai pas sans les distraire. Allez, Amicia, accroche-toi. Oh, c'est poisseux. Oh. Thank you.
quoi je... Oh. Oh, non, regarde pas. Ne regarde pas. Fidèle à ma foi. J'ai cru que j'y arriverais pas. Oh, j'oublierai jamais cette odeur. L'université. Tu vois? Allez, Amicia, continue comme ça. Le cimetière. Il est sur le chemin. J'ai vraiment pas envie de passer par là. Oh, c'est fermé. Si seulement Mélie était là. Allez, il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Pivoter. Efficace. Le grand inquisiteur ne fait pas les choses à moitié. Au moins quelques pièces. Oh, non. Ah, t'as bien quelque chose. Un truc précieux. On a tous un trésor. Allez, Amicia. Fais quelque chose, allez. Hé, hey, hé, hey, c'est... Ça t'apprendra.
Une fenêtre. Parfait. Maître, voici les pissenlits. Ah, voyons ça. Parfait. J'ai une question. On sait que ça vient des rats, mais à quoi ça sert ? Nous appelons cela odorance. Oh. Ah. C'est un des nombreux effets de l'épisanguis lorsqu'on le mélange avec du soufre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais pourquoi on ne pourrait pas équiper nos troupes avec ça ? On pourrait... C'est bien trop précieux. Chaque cristal d'épisanguis doit être consacré au projet. Par ailleurs, avec ces cristaux, nous avons déjà rencontré plusieurs, comment pourrais-je dire, des accidents regrettables. Apportez ça au bastion. Ce sera tout pour aujourd'hui. Des accidents regrettables. Imagine, tu t'en renverses sur les pieds. Tu finis ta patrouille cul de jatte. Je dois voir ça. Ils sont partis. Allez, c'est juste un cimetière. Sauver la vie. Il faut que j'en trouve plus. Souviens-toi, l'effet ne dure pas longtemps.
plus qu'à essayer. Lucas, ça c'est pour toi. Ça marche! Ça va me sauver la vie. Il faut que j'en trouve plus. Souviens-toi, l'effet ne dure pas longtemps. Mort. Là-bas, on dirait la sortie. Allez, j'y suis presque. Le sol s'est affaissé. Je dois trouver quelque chose pour me hisser. J'arrête. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. L'odoris ne les retiendra pas assez longtemps. Je dois les coincer. Non. J'arrête. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Doris ne les retiendra pas assez longtemps. Je dois les coincer une fois pour toutes.
réfléchis. Tu peux attirer ces rats où tu veux. Tu dois les coincer. Je dois pouvoir les attirer dans ce renfoncement et les bloquer avec la lanterne. La lanterne, vite! Oui! Allez, dis-moi que tu roules encore. Vraiment très discret. Bien, Lucas l'a déplacé. Tu vois, tu t'en sors. Tu t'en sors bien même. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? J'y suis presque. Lucas, t'as intérêt à exister, ton livre. Ils ont massacré tous les malades. Les rats, ils ont lâché les rats. Aidez-moi. Je peux rien faire. Je suis désolée. C'est pas possible. Ils ont utilisé les rats contre les malades. Wow.
sale bestiole. Qu'est-ce que vous avez de si important à dire pour gueuler comme ça tout le temps ? L'odoris. Je pourrais essayer. Une fois au bastion, ils vous donneront une bonne raison de crier, vous verrez. On a des artistes du couteau. Ça a marché. Pourquoi ? Parce que c'est trop tard pour vous. Clémence. Et rassure-toi, tous les autres seront bientôt sauvés. Arrêtez de les balancer dans l'eau! Ils finissent tous de l'autre côté! On peut plus patrouiller là-bas, tellement... Oh, tellement ça pue! Vous avez de la chance de sentir encore quelque chose? D'avoir entendu quelque chose. Je pourrais attirer les rats hors du pont. Pourquoi ils sont encore là ? Les sanguises, les cages. C'est pas une simple évacuation. Tous tomber malades à rester ici. On se passera le mal les uns aux autres, jusqu'au grand inquisiteur. Et il restera plus personne. Mais ta gueule ! T'as pas fini de chialer ? Je veux plus t'entendre, pas un mot ! Chariot d'alchimiste. Il doit y avoir des choses utiles dedans. Tous tomber malades à rester ici. On se passera le mal les uns aux autres, jusqu'au grand inquisiteur. Et il restera plus personne. Mais ta gueule ! T'as pas fini de chialer ? Je veux plus t'entendre, pas un mot ! C'est quoi ce bordel ? Toujours rien.
Je brûle dedans. Dites ce que je dois faire. Je sais pas. Boire. Oh non, ne buvez pas ça. C'est un cauchemar. Allez, courage. L'université ne doit plus être très loin. Bougez pas, ça sera vite terminé.
juste à côté. Fais voir. Suffit. Oh. Si vous voulez bien me faire l'honneur de me suivre. Mais enfin, qu'est-ce qui se trame ici? La vache. J'ai bien cru que j'allais cogner un de ces alchimistes. Du calme. Ils sont un peu arrogants, c'est sûr. Mais eux, au moins, ils savent lire. Ça leur donne pas le droit d'être cons. En tout cas, il y en a un qui disait que Vitalis va pas bien. On savait que ça allait arriver. Nous devrons prier pour lui. Je savais que le grand inquisiteur était souffrant, mais là... Étrange gens lui ont tourné le dos malgré ce qu'il fait pour moi. C'est un saint, mon frère. Un saint. Université. Bon, le livre. Souviens-toi de ce qu'a dit Lucas. Au sous-sol, le chemin est semé de roses. Des roses? Où je vais trouver des roses ici? «
ramasser les livres. Là, les bannières. Des fleurs, oui, des roses. C'est le bon chemin. Ça fait combien de jours qu'on est là? J'ai arrêté de compter. À rester enfermé ici, je fais même plus la différence entre le jour et la nuit. C'est bientôt fini, ben. Aucun rat? C'est étrange. Des jours qu'on est là, et c'est le grand inquisiteur lui-même qui vient nous aider. On en entend parler. Thank you.
ruse. Nous n'avons jamais assez de lire. Lorsqu'on sait lire... Ah, c'est de la lecture païenne, tout ça. Le sanguinis itinéra est un le savoir qu'il contient remonte aux origines de l'homme. Et ce savoir peut tous nous sauver. Alors continue de fouiller. Et concentre-toi sur les livres à la couverture. Le livre à la couverture rouge, ouais. Il le cherche aussi. Pas lire. Oh, je dois faire pas vite. Stupide. Ces putains de races. Voilà les roses. Je suis sur la bonne voie. Franchement, la prochaine. Oh, et voilà. Je lui fais bouffer ses manuscrits. Celui avec la couverture rouge, c'est son préféré. Le bouquin. Encore une brillante idée d'alchimiste. Il y a quelque chose de louche chez ces gens, crois-moi. Ça, c'est vrai. Au Bastion, il y a des endroits où j'ose plus aller. Les choses qu'ils font là-bas. Ouais, je préfère pas en parler. Allez, sortez de là. Allez. Ça va me simplifier la vie. Une marguerite. T'es loin de ta maison, toi aussi, hein. Porte-moi chance. On fait ça pour Hugo. Avance, forgeron. Il y a du travail qui t'attend. On doit vraiment être désespéré pour que Vitalis s'abaisse à capturer un que pareil. Un prisonnier. Eh ben, ils vont
peut-être enfin mourir. Les rats font ça. Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. Ils l'ont bouché, tu vois pas? Ils savent très bien ce qu'ils font, ces petits bâtards. C'est quoi? Ça a bougé, non? Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille. J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras. Ce trou sert plus. Ils l'ont bouché, tu vois pas? Ils savent très bien ce qu'ils font, ces petits bâtards. J'ai cru entendre quelqu'un. Je reviens. Sois prudent. Y'a rien. Calmez-vous. D'accord. Il faut que je fasse sortir les rats de la pièce. Thank you.
jeune Hugo de Rune. Le seigneur Nicolas continue la recherche. Dans ce cas, pour trouver le livre, nous allons devoir nous en remettre à un fils de forgeron. C'est toi qui as conçu cette porte avec ton père. À présent, tu vas l'ouvrir pour nous. Si on l'a construite, c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous. Je suis le grand inquisiteur Vitalis Bénéfant. Tu n'imagines pas ce que j'ai dû endurer. Vois ce que je m'inflige pour vous. Vite! Les Pissanguis. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Roderick. Je ne veux pas que Roderick succombe avant d'avoir ouvert cette porte. Ne commettez pas la même erreur qu'avec son père. Emmenez-le. Vite, je dois pas les perdre. Même quand le grand inquisiteur te parle de sauver ton prochain, tu sais pas fermer ta gueule, hein? C'est toi qui dis ça. Roderick, on dirait qu'on a tous les deux des ennuis. Son sang s'affaiblit. Combien de temps l'épicenguis peut-elle contenir la morsure? Tant que sa foi le lui permet. C'était quoi? Mais non. Mais non. Hé! Vous n'avez rien à faire ici. Garde! Roderick, on dirait qu'on a tous les deux des ennuis. Son sang s'affaiblit. Combien de temps l'épicenguis peut-elle contenir la morsure? Tant que sa foi le lui permet. Alors c'est lui qui a fabriqué la porte? Ouais, et il va l'ouvrir. Avec le livre et le gamin de Rune, Vitalis accomplira la conjuration. Alors nous serons sauvés du fléau. Ad ignem. Ad lucem. Oh, bien dit. Avance! Tu sais, mon ami et moi, avant on s'occupait des hérétiques au bastion. On en a fait parler des braves. Les gaillards, mais crois-moi, une fois qu'on aura taillé assez profond, tu chialeras comme tous les autres. Ah, j'ai hâte. Allez au travail! Vous avez ruiné le sol! Une armure lourde! Il doit y avoir un moyen!
Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte? Une commande spéciale. Le chef-d'œuvre de mon père. Et tu sais comment l'ouvrir? Parce que ça nous aiderait. Hé, vous là-bas! Ça nous aiderait beaucoup, même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y, je les retiens. Une armure lourde. Oh, il doit y avoir un moyen. Une frontale. Ça fait toujours que j'en rêve. Je sais pas qui t'es, mais merci. On doit partir. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte? Une commande spéciale. Le chef-d'œuvre de mon père. Et tu sais comment l'ouvrir? Parce que ça nous aiderait. Hé, hey, vous là-bas! Garde! Ça nous aiderait beaucoup, même. Ça va prendre un peu de temps. Vas-y, je les retiens. Je veux pas te presser, mais ils continuent d'arriver. Et on a comme un début d'incendie. J'y suis presque. Et allez! Et voilà! Ramène-toi! L'alerte est donnée. Ils vont plus nous lâcher. On n'a pas le choix. Bon, on est dans les sous-sols. C'est déjà ça. Roderick, j'ai besoin du livre. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce foutu livre? Il peut sauver mon petit frère. Je t'en prie. Je sais pas où il est. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont torturé mon père à mort pour le trouver. Et que je les buterai pour ça. Ils ont tué mes parents aussi. À deux, on peut s'en sortir. D'accord. Et pour le livre? Ça, tu vas voir. C'est pas ça qui manque ici. Bibliothèque? Sous la bibliothèque? C'est des livres interdits. C'est pour ça qu'on a bâti la porte. Alors, le Sanguinis Itinera doit forcément être ici. Je sais juste qu'il a une couverture rouge. Regarde! Là-haut! Des roses. Ça doit être lui. Je dois monter. Tu m'aiderais avec ça? Ça marche. Intéressant. Les étagères parlent cursives. T'as ton chemin jusqu'au livre. Facile? Aide-moi avec ça, tu veux? Je fais ça. J'ai peut-être parlé trop vite. Il faut que je fasse contrepoids. Je reste ici. Dis-moi quel levier tu veux que j'active. D'accord. Roderick? D'accord. J'avais dit que tu ferais contrepoids. J'ai fait contrepoids, ça a lâché. Bon, va falloir être très prudent. Parfait.
toucher. Au fait, je m'appelle Amicia. Et toi, c'est Roderick, c'est ça? T'en sais des choses, Amicia. Qui vous a engagé pour la porte? Des sortes de moines. Pas bavards. Mon père a fait les plans, c'était un maître. Moi, j'étais un simple apprenti. Des sortes de moines qui veillent sur le Sanguinis Itinera. Maintenant. Ouais. C'est trop calme. Où sont les soldats? Attends. Vas-y. Ça roule. Bouge, Amicia. Tu gênes. Arrête. Ouais. Allez, avance! Hé, te fais pas mal. Tu veux que... Non. Mon frère, je lui dois ça pour tout le temps où j'ai pas été là pour lui. Viens, maintenant! De suite. C'est bon, arrête. Ça roule. Roderick? D'accord. Eh ben, si ça, c'est pas de l'amour. Allez! Il faut qu'on en finisse. Maintenant. De suite. J'y suis presque. Allez, ça fait trop longtemps qu'on est là. Le livre, j'arrive pas à y croire. Tu ferais mieux d'y croire et de revenir vite. Ils vont bientôt entrer. Je sais qui tu es. Amicia de Rune. Nous
Nous avons observé ta famille pendant de nombreuses années, en attendant que la Macula se réveille dans le sang de ton frère. En un sens, je t'ai vu grandir. Non, on n'a aucune chance. Petite idiote, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce livre ? Sauver mon frère. Avec ton frère et ce livre, je peux sauver le monde, Amicia. Ça suffit. Viens vite, par là. Attrapez-les. Tu peux courir, Amicia, mais tu ne peux pas échapper à ton sang. Vous avez l'air de bien vous connaître. Il a détruit ma vie. Je sais ce que ça fait. Ça va être la foire, là, derrière. T'es prête ? Oui, plus que jamais. J'ai vraiment hâte de quitter ces murs. Je te le fais pas dire. On va chercher les autres, allez ! Où ils sont, bordel ? Dis donc, on leur a fait de l'effet. Prudence, il n'est pas question que je perde ce livre. Comment les choses ont pu dégénérer ? Ah, lourde. On est coincé. Il est de dos. Je peux me le faire. T'es sûr ? Ouais, ça me fait plaisir. C'est quand tu veux. Rodrigue, à toi. Ça, c'est pour mon père. Waouh ! Tu fais ça souvent ? Non. Mais j'y prends goût. Bon, ça suffit. J'y vais. Reste ici, je vais voir où ils en sont. Tiens-moi au courant. Il est seul. Mais il va me voir venir. Je peux faire diversion. Hein ? C'était quoi ce vacarme ? Il est pour toi. Tu vas me le payer. Bien joué. Il se relèvera pas. Tu peux me croire. Lucas, il a mal aux yeux parfois. Ça pourrait l'aider. Ah, j'aime pas rester à deux. Comme ça, on s'en prend un chacun, ça te dit ? Faut bien faire celui avec le casque. D'accord. C'est juste une question de rythme. Quand tu veux. Occupe-toi de lui. Toi, t'es fini. Parfait. Beau travail. J'y suis peut-être allé un peu fort.
dis-moi que ça mène dehors. Ça mène dehors. Oh, de l'air. Ça sent... la cheminée. Oh, merde. Oh non, un incendie. Merde, merde. C'est nous qui avons... Je ne comprends pas. Le grand inquisiteur est encore à l'intérieur. J'en sais rien, moi. Allez voir. Et donnez l'ordre d'évacuer. Tant mieux pour nous. Profitons de ce bazar. Putain, là, il manquait plus que ça. Les rats, le bouclier, il est intouchable, Rodrigue. Attends, quand ils m'ont amené au bastion pour m'interroger, j'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent Extinguis. Ça étouffe les flammes. Je voulais essayer, mais... Ça vaut le coup d'essayer. Les livres vont brûler. C'est pas ta faute. Pense à ton livre. Oui. On doit sortir d'ici. Je dois retrouver Hugo. Je suis sûr que les gamins ont mis le feu pour se tirer en douce. Si je les chope, ils vont le payer. On va droit vers l'incendie. C'est le seul chemin. C'est l'enfer là-dedans. On est censé avoir des secours. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Deux gardes. On doit en faire bouger un. C'était quoi ce bruit ? J'y passais. C'est l'enfer là-dedans. On est censé avoir des secours. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Deux gardes. Tendu comme un claquement. Je vais voir. Garde les yeux ouverts. Alerte. Il y a quelqu'un ici. Non ! Amicia ! Il y a encore du monde dedans.
Ouais, j'ai cru que j'y passais. C'est l'enfer là-dedans. On est censé avoir des secours. Qu'est-ce qu'ils foutent? Deux gardes. J'ai entendu un truc. Je reviens. Me laisse pas surprendre. Vraiment entrer là-dedans. Oui. Si tu veux respirer, c'est maintenant. Allez. Ah, ça chauffe déjà. Quel enfer! Oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Suis-moi. Et fais gaffe à ton livre. Ils sont là. T'occupes pas d'eux. Regarde, la voilà. Amicia! Vous avez réussi? Attrape! Je te préviens, il sent un peu le brûlé. C'est qui, lui? Roderick, mais chut. Le Sanguinis Itinera. Ça raconte quoi, ce livre? C'est l'histoire d'un petit garçon qui va très vite guérir. Je suis mort de faim. Quelqu'un d'autre? Moi! Alors à table. On l'a bien mérité. Toi aussi? J'arrive. Ça va? Oui, ça va. C'est rien. Dis, cette porte,
Vous l'avez déjà ouverte ? Elle est coincée. C'est le seul endroit du château où on n'est pas encore allé. Tu veux pas voir ce qu'il y a derrière ? Eh ben, Hugo dort, alors... Allons jeter un coup d'œil. Ça, au moins, je sais le faire. Et voilà. Eh ben, c'était... efficace. Et presque sans douleur. Allez, en avant. Oh. Tu sens ça ? Non, quoi ? Quand tu entres dans un endroit abandonné depuis très longtemps, il y a quelque chose dans l'air. Oui, de la poussière ? Non, non, des pierres. C'est comme surprendre une conversation. Hmm ? C'est la première fois que je le sens ici. Ça a l'air casse-gueule. On va éviter pour l'instant. Encore une porte. On continue ? Bien sûr. Voyons où ça nous mène ! Oh ! C'est la cour. Ça ferait un raccourci. Oh, j'avais oublié. J'ai trouvé quelque chose en débroussaillant le centre de la cour tout à l'heure. Viens voir. Encore une histoire de pierre ? Ah, tu crois pas, c'est bien dire. Amicia, viens voir ça. Tu vas aimer. J'arrive. Une fresque. C'est... ça me dit quelque chose. Elle reprend les symboles des piliers. C'est comme si ce château avait quelque chose à nous dire. Et nous dire quoi, par exemple ? Tout n'est pas clair. Mais je crois juste qu'on sera en sécurité ici. Amicia ! Viens vite ! C'est Hugo ! Oh non. J'arrive ! T'as besoin de moi ? Je t'appellerai. Allez ! Allez ! Je suis là, Lucas ! Vite ! Hugo ! Oh mon Dieu ! C'est de pierre en pierre. La macula progresse beaucoup trop vite. Je sais bien, Amicia. Je fais de mon mieux. J'ai essayé de faire ce qu'il y a dans le livre, mais ça prend trop de temps. Il me faudrait un vrai laboratoire. Comme celui de Laurentius ? Non, non, un laboratoire mieux équipé. Alors, peut-être que chez nous... Tu sais, ma mère... Oui, elle avait sans doute du matériel. Tu as raison, ça vaut la peine d'essayer. Amicia ! Lucas ! Je crois bien que vos jumeaux sont de retour. Mélie, tu l'as retrouvé ? Plus mort que vif. Mais oui. Amicia, on est venu parce que... Eh ben... Ouais. Arthur, tu lui dis. Après notre aventure avec tes copains brûleurs d'hérétiques, j'ai fini dans un cachot de l'Inquisition. Un jour, j'ai vu les gardes qui escortaient une prisonnière dans un sale état. Ces salauds voulaient qu'elle leur dise où était son fils, alors... Ils l'ont menacé. Et j'ai entendu son nom. Béatrice de Rune. Mère est en vie. Elle est en vie ? Tu as réussi à faire sortir Arthur. Ça n'a pas été facile, crois-moi. Mais tu pourrais... Oublie ça. Moi, j'étais rien pour eux. Mais elle... Elle est trop précieuse pour le Grand Inquisiteur. Il... La questionne. Régulièrement. Il la... torture ? Hugo ne doit rien savoir de tout ça. Mais elle est en vie. Ça pourrait l'aider. Et on lui dira quoi quand il voudra la voir ? Non, on ne dit rien. C'est tout. Oh non ! Hugo ! Hugo !
prochain seuil. Il est tout proche. On doit partir tout de suite. Chez moi. Maintenant. Vas-y, toi. On reste ici avec lui. Ça va aller, petit frère. Je te le jure. Cette fois-ci, on réussira à te guérir. Bon, je prends le Sanguinis Itinera, quelques potions, et on y va.